que voix familiale. Cette fois-ci, le message est clair. Le théâtre est le Sud-Liban, mais l'expéditeur est à Damas, et le facteur, celui qui a délivré le message, c'est le Hezbollah, au Sud-Liban. Et c'est un avertissement à la France, évident, parce que la France est la figure de proue dans le soutien au printemps arabe et à la révolution syrienne. Le Hezbollah, sans la Syrie, est coupé du cordon ombilical qui le relie à l'Iran. Le Hezbollah a aménagé au Liban une tête de pont iranienne contre les Arabes, contre le pays qui l'héberge, contre l'Occident. Et donc, il est évident que le Hezbollah va défendre le régime syrien jusqu'au bout. Les Libanais craignent évidemment les retombées de la crise syrienne sur la scène libanaise. Bachar el-Assad est tenté, et il peut, il l'a déjà fait, il commence peut-être une réaction en dehors de ses frontières. Il a choisi le Liban et il a choisi la France comme cible.